you watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be. J'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favorite du moment. Et en effet, ça fait un petit temps que je ne vous ai plus présenté mes chouchous. Donc je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui vous en parler et de vous faire découvrir ou redécouvrir certaines choses, hein. Ne faites pas attention à ma voix, je suis un peu malade comme vous l'entendez. Donc c'est pas... soit passons. Et si vous entendez quelqu'un qui gigote derrière, c'est ma petite soeur qui fait dodo dans mon lit. Bref. Voilà, allez, sans plus tarder, on va commencer tout de suite les présentations. Let's go. Le premier chouchou dont je vais vous parler, c'est ceci. C'est le nouveau bébé de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Enfin, je dis nouveau, mais il est sorti au mois de juin quand même. Et vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'il fait fureur sur les réseaux en ce moment. En fait, c'est un soin lavant non moussant qui a été conçu spécialement pour les cheveux très secs, frisés ou crépus. Et comment vous dire que... ce truc est une merveille. Alors, moi j'ai les cheveux crépus, donc je l'ai essayé évidemment sur mes cheveux crépus. Ma petite sœur l'a testé aussi et le résultat est magnifique. Vos cheveux ressortent doux, ressortent soyeux, ressortent brillants, ressortent nourris surtout. C'est ça le but principal. On sent vraiment qu'ils ont été nourris. Par contre, je vous avoue que c'est un peu frustrant parce que on doit l'utiliser en fait à la place de notre shampoing et de notre démêlant. Mais du coup, ça mousse pas. Alors on a l'impression qu'on lave pas vraiment nos cheveux, c'est trop bizarre, mais au final quand on voit le résultat on se dit ah c'est bon, mes cheveux, voilà, j'ai pris soin d'eux, et c'est vraiment super agréable à utiliser. Et donc ils disent la nouvelle façon de se laver les cheveux, ben ça oui, ben on peut le dire, hein, c'est vraiment très spécial, mais j'aime beaucoup. Donc c'est à l'avocat et au beurre de karité, c'est ça? Oui, à l'avocat et au beurre de karité. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, il faudrait vraiment que je vous fasse une routine sur mes cheveux naturels pour vous en parler plus. Parce que là, bah voilà, à part vous dire qu'il est super efficace, qu'il sent bon et voilà, je sais pas vous dire grand chose. Donc, je vous ferai, si j'y pense, vraiment je vais essayer, vous faire une routine capillaire avec ces produits-là. Parce que la gamme Ultra Doux, en fait, c'est une gamme dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne, mais c'est une gamme que j'utilise tout le temps. C'est la gamme que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux naturels. Donc oui, il faudrait vraiment que je vous en parle plus en détail dans une routine. Donc je vous mettrai les liens, tous les prix, etc., toutes les infos que j'ai dans la barre d'infos évidemment. Et si j'étais vous, j'irais jeter un œil. Je dis ça, je dirais. Le second produit que je vais vous présenter et que je suis déjà en train de secouer, c'est ceci. C'est encore un produit Garnier, je vous assure, je ne suis pas sponsorisée, c'est juste que j'aime beaucoup leurs produits. Donc c'est l'eau nettoyante micellaire biphasée dont vous avez aussi sûrement déjà entendu parler, j'arrive après tout le monde. Mais bref, on s'en fout. Donc ce truc est une tuerie et je l'ai déjà depuis un bon moment, vous voyez que je l'ai déjà bien entamé. Je vous l'avais montré sur Snapchat je pense d'ailleurs. Enfin voilà. Il nettoie, il démaquille, il apaise comme promis, il a pas... Non. Par contre, ils disent fini non gras, mais moi je sais pas. En fait, avec tous les nettoyants biphasés, j'ai toujours l'impression qu'il y a un fini gras. C'est pas possible autrement, il y a de l'huile dedans. Donc je sais pas comment vous faites pour avoir un fini non gras, mais soit. À part ça, il fait vraiment son job et surtout, surtout, je pense que j'ai compris pourquoi les youtubeuses l'aiment trop. Vous voyez quand on fait des swatchs sur les lèvres, c'est une galère quand on porte des rouges à lèvres mat, parce que c'est une galère à retirer, surtout quand on en a beaucoup à swatcher. Mais avec ce truc, voilà, ça vous fait aimer les swatchs, parce que c'est cool de voir le résultat après, c'est cool pour vous de le regarder, mais nous quand on le fait derrière, c'est vraiment horrible, on a les lèvres après. Je me souviens que une des vidéos swatch que j'avais fait, à la fin j'avais les lèvres en sang, je rigole pas les gars, j'avais les lèvres en sang. Mais avec ça, c'est limite un plaisir de faire les swatchs, donc voilà, j'aime trop. En plus, elle vous dure hyper longtemps parce qu'il y a 400 ml dedans, donc comment vous dire, ça vous dure toute une vie. Et l'odeur par contre, ça sent bon et ça sent... Je pourrais pas vous le décrire, c'est une odeur assez spéciale, mais ça sent très bon. Voilà. Prochain produit dont on va parler, c'est ceci. Et je me rends compte en vous présentant ça que j'ai rassemblé les marques en fait dans cette vidéo, parce qu'après je vais encore vous présenter un truc de chez Body Shop. Vous allez voir. Donc en fait ceci, c'est un bronzer de base, mais vous voyez bien qu'il y a un souci de teinte, hein. À partir du moment où le produit il est plus clair que vous, bronzer peut-être pas. Donc je l'utilise en fait en highlighter et eux ils appellent ça donc une poudre bronzante, et la nuance c'est bronze doré 01. Et donc du coup je vous ai même pas dit que ça venait de chez The Body Shop, je fais les choses à l'envers. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et si vous avez à peu près la même teinte que moi, sur vous ça va donner un truc magnifique. Donc il est juste ici, regardez-moi cette teinte quoi,
C'est trop beau. Voilà. Par contre, le seul petit souci que je lui trouve, c'est qu'il est poudreux. Il est quand même pas mal poudreux. Donc, c'est un peu embêtant, du coup. Mais sinon, on lui pardonne. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et ce qui est bien aussi, c'est que il y a une grosse masse. Je pense qu'on en a pour très très longtemps. C'est 9 grammes. Ça peut peut-être paraître rien comme ça, mais regardez le truc par rapport à ma main. Donc, croyez-moi, ça vous dure vraiment très très longtemps. Et bah, tant mieux. Mais d'un autre côté, est-ce que quelqu'un finit vraiment ce genre de choses? Ok, le prochain produit dont je vais vous parler, et c'est pour ça que je vous disais que j'avais rassemblé les marques, parce que je vais vous parler de ceci. C'est encore un produit de chez The Body Shop. Donc, c'est leur BB Cream All-in-One, dont je vous ai déjà parlé en fait dans une de mes dernières vidéos favorites, donc je ne vais pas m'étaler dessus, juste qu'il y a une petite nouveauté, donc il fallait que je vous le dise. Alors je vous expliquais dans ma dernière vidéo favorite que je ne mettais pas de fond de teint et que du coup j'utilisais seulement une BB crème, et la teinte que j'utilisais c'était la 03. Avant tout, je ne vous ai pas redit le principe de cette BB crème, c'est qu'en fait elle s'adapte à la première surface vivante sur laquelle vous la posez. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais bon, si vous la posez ici, par exemple, elle va prendre la teinte de votre peau, mais si vous la mettez sur votre visage, elle prend la teinte de votre visage. C'est pour ça qu'il faut absolument pas l'appliquer au doigt, mais au pinceau. Voilà. Donc, j'utilisais la teinte 03, sauf que mon teint en hiver change comme tout le monde. Donc, parfois, elle était un peu trop claire pour moi, et du coup, je galérais à la faire matcher avec ma peau. Sauf que j'ai vu il y a quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, mais j'ai testé seulement aujourd'hui en fait. J'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle teinte et c'est la teinte 04. Donc maintenant ils ont 4 teintes et celle-ci c'est devenue la plus foncée. Et révélation, elle me va parfaitement. C'est celle que j'ai portée aujourd'hui et j'ai mis que ça pour que vous voyez ce que ça donne à l'état brut, si je peux dire ça comme ça. Et elle me semble très très bien. Alors maintenant, on verra en hiver, hein, encore une fois. Mais bon, vu que celle-ci, ça allait encore, je pense que celle-ci sera parfaite. Donc si vous avez le teint qui se rapproche fort du mien, celle-ci vous ira parfaitement. Après, si vous voulez d'autres informations sur ce produit-là, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Et voilà. Presque terminé, mais je ne serais pas Manuela si je ne vous parlais pas de rouge à lèvres, évidemment. Donc, à mon tour, je mets mon petit grain de sel dans l'histoire, la polémique, la chose des NYX Lingerie, parce que moi aussi, je suis tombée amoureuse de leur teinte. C'est une gamme entièrement nude, si je ne me trompe pas, mais alors les deux teintes que j'ai vraiment beaucoup aimées, ce sont ces deux-ci. Donc, c'est là, ici, c'est la Embellishment, et ici, c'est la Teddy, que je vous les montre bien. Donc, attendez, hop, voilà. Embellishment et Teddy, donc celui-ci est un peu plus mauve. Et le Teddy est un peu plus brun. Il est censé être plus brun, le Teddy, mais alors il fait un truc très bizarre sur mes lèvres, c'est que quand je le mets, au lieu d'être chocolat, il vire au gris. Est-ce normal ça? Je sais pas si mes lèvres font tourner le rouge à lèvres, chose qui ne m'est absolument jamais arrivée, mais c'est vraiment très très bizarre. Enfin, voilà. Mais bon, cela dit, j'aime beaucoup la couleur, et en fait, c'est la couleur que devrait avoir un rouge à lèvres Colourpop que j'ai commandé, mais qui n'a absolument pas cette teinte-là. Du coup, les choses rentrent dans l'ordre. Mais c'est quand même assez bizarre. Je vais pas en dire tout un roman, puisque vous en avez sûrement déjà entendu parler. On vous a bassiné de ça sur internet, je crois. Donc voilà, ils tiennent super bien. Ce sont des super belles teintes. Et si les filles, peu importe votre carnation, peu importe votre teint de peau, si vous savez assembler un crayon à lèvres et un rouge à lèvres, vous pouvez porter toutes les teintes. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mettez ce que vous voulez. Franchement, allez-y, swatchez-les et vous n'en serez vraiment pas déçus. Ils sont bien. Ils sont super bien. On a terminé, mais avant ça, je dois juste vous parler d'un bon plan. Parce que sur Snapchat, je vous avais montré en fait ceci. Donc, ce sont des coques pour téléphone. Et vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à me demander où je les avais achetées. Parce que les paillettes, voilà, c'est chouette. Et en fait, je voulais simplement vous dire qu'elles venaient tout bêtement de chez AliExpress. Donc, pour les autres qui ne me suivent pas sur Snapchat, si ceci vous intéresse, voilà. Elles sont, je les ai eues via Snapchat, donc c'est très marrant, hein, ça fait paillettes, licornes, pays bisounours, tout ce que vous voulez. Donc dans celle-ci, en fait, il y a des petites étoiles et des paillettes qui ont plusieurs couleurs évidemment. Et celle-ci, pareil, c'est un sablier qui s'écoule. Oh, c'est trop beau. Moi, ça me fait juste rêver quand je vois ça. Et voilà, donc c'est un sablier, c'est un vrai sablier en plus, hein, il fait vraiment des deux côtés. Bref. Donc voilà, ces deux-ci, je les ai trouvées sur AliExpress et elles coûtent 3 fois rien. Je pense que je ne les ai même pas payées 2 €, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, donc ça c'était le bon plan de la vidéo.
Après, je ne sais pas s'ils font pour tous les modèles de téléphone, sûrement pas, mais vous savez, AliExpress, il faut chercher un petit peu et on trouve généralement ce qu'on cherche. Donc, je vous mets les liens pour ceux-ci qui sont des coques pour Samsung, mais après, vous pouvez certainement trouver pour d'autres choses. Et voilà, je vous laisse faire votre petit shopping et bonne chance. Et voilà, les filles et les garçons, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu découvrir, redécouvrir certains produits. Si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours. Ensuite, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, j'ai Twitter maintenant. Mais les gars, je vous avoue que j'ai mis un tweet depuis que je l'ai fait et ça date d'il y a plus d'une semaine. Je sais pas utiliser ce truc. C'est, enfin, je sais pas. Je crois que je suis juste pas motivée. Donc, je vais essayer de me motiver, vous mettre un peu plus de tweets de temps en temps. Enfin, bref. Tout ça pour que vous sachiez que maintenant j'ai Twitter aussi. Et j'y vais essayer de m'y mettre. Vraiment. Avant que vous partiez, allez voir dans la barre d'infos. C'est important, c'est pour vous que je dis ça, vous risqueriez de le regretter, mais voilà, allez voir dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on a fini, je dois aller me moucher. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, portez-vous bien, je vous aime très très fort. Mouah. Bye. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my